Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne ZDC, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les tirages du week-end. Hein, alors d'habitude, effectivement, ce sont plus des horoscopes que je vous propose. Mais là, j'ai eu envie de changer, de vous proposer une formule un petit peu différente. Donc en fait, vous allez avoir un signe. Bien sûr, hein, le signe astrologique. Donc là, nous allons commencer avec les lions, hein, signe de feu. Voilà. Vous allez avoir une énergie principale. Hein. Je vous propose également une réponse à une question et vous avez un petit message. Voilà, pour terminer. Hein. Alors, si je vous propose cette formule cette fois-ci, c'est tout simplement parce que je manque un petit peu de temps pour faire l'horoscope normal. Et que, eh bien, je ne voulais quand même pas vous laisser, voilà, en plan, hein, si je peux me permettre l'expression. Et du coup, j'ai trouvé que cet intermédiaire était assez bien, comment dire, était propice, donc, et pouvait arranger tout le monde. Voilà, donc, pour les lions, je vais vous proposer, donc, le message qui va, c'est pas le message, là, c'est l'énergie principale, pardon, hein, de votre week-end avec l'ange indigo. Hein, je vous l'ai présenté dans une des dernières vidéos, hein, puisque c'est comment dire, un oracle récent. Ensuite, pour la réponse à votre question, ce sera une réponse de l'oracle, réponse angélique de Dorine et Radley, enfin de Dorine Virtue et Radley Valentine. Et pour le petit bonus, hein, comme d'habitude, le petit message, ce sera une carte des murmures de nos anges. Voilà. Pour la réponse à la question, vous avez la possibilité de mettre en pause, hein, si vous n'avez pas de questions. Alors, une question, c'est une question fermée, hein, où on répond à oui ou non, et avec toutes les déclinaisons possibles, hein, entre le oui et le non. Et donc du coup, bah, vous avez la possibilité de mettre en pause, hein, si vous n'avez pas encore votre question. Moi, je vais établir, enfin continuer le tirage, hein, le faire d'une traite. Mais vous, voilà, vous avez ce temps de pause qui vous permet de choisir votre question. Ok ? Voilà, et puis après, bah, vous remettez évidemment le fil de la vidéo et vous aurez la carte qui sera retournée. Allez, on y va pour vous les lions. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose ce week-end? Ah bah vous, vous êtes sous le signe de l'archange Michel. Alors, on commence avec une très belle carte pour vous les lions, puisque l'archange Michel est le protecteur, votre protecteur, dans le sens où... il vous protège des peurs, de vos peurs, d'accord? Il vous donne la force et le courage d'affronter la vie, hein, d'affronter les événements, d'affronter les situations, les personnes aussi, mais d'affronter ça sans avoir peur ou en tout cas en surmontant votre peur, d'accord? Vous êtes peut-être effrayé par quelque chose, hein, vous le serez peut-être au cours du week-end, vous aurez peut-être peur de passer une étape, hein, de prendre une décision, peut-être de dire non, et en fait invoquer cet ange, cet archange Michel qui est là justement pour vous aider. Vraiment, il agit comme une bulle vraiment protectrice, hein, d'accord, pour vous donner le courage d'avancer, hein, d'avancer, mais aussi d'atteindre vos objectifs de vie. Ok? Alors maintenant, je vais retourner la carte, donc la réponse à votre question. De grands changements positifs. Eh bien, voilà un joli tirage. De grands changements positifs. Hein. Donc, bah, écoutez, quelle que soit votre question, on est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, le message donc, de fin. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Voilà, vous pouvez mettre en pause également, hein, pour relire ce message. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Et encore une fois, hein, la corrélation entre les cartes...
notamment l'ange indigo, hein, avec l'archange Michel qui vous, justement, qui vous protège de vos peurs. Donc les peurs, eh ben, les inquiétudes, hein, ça va de pair, hein. Quand on s'inquiète, on a peur, on se fait du souci, donc c'est un sentiment, voilà. Et là, on vous dit d'arrêter de vous inquiéter pour ce que vous ne possédez pas, d'accord? Donc, peut-être effectivement qu'au cours du week-end, vous allez peut-être vous inquiéter pour des choses qui ne seront peut-être pas très utiles, ou en tout cas qui ne vous seront pas, qui ne seront pas primordiaux, hein? Des choses primordiales plutôt. On vous demande vraiment de vous recentrer sur l'essentiel, d'accord? Et d'invoquer l'ange Michel si effectivement vous avez, si vous avez des inquiétudes, hein, des choses qui vous font barrière, qui vous font obstacle. Et puis bon, bah, les grands changements positifs, hein, ça ne demande pas beaucoup d'interprétation, puisque c'est tout va dans le bon sens. Voilà pour vous les lions. Bah, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.